Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez les amis? J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très bien comme d'habitude. Alors aujourd'hui, je commence un tout nouveau vlog. Permettez-moi de porter mon trépied entre mes mains. Alors aujourd'hui, je commence un tout nouveau vlog parce que oui, j'ai le punch, j'ai la forme. En fait, je me sens juste, voyez un peu, énergie. Anyway, la famille, comment est-ce que vous allez les amis? J'espère que vous allez bien. Alors pour moi, comme je l'ai dit, je vais très bien. Aujourd'hui, c'est permettez-moi de regarder. Voilà, aujourd'hui c'est un mardi et ouais, je me suis réveillée de bon matin, de bon pied en fait. Alors là maintenant, je suis en train de faire ma cuisine. Le bouillon des pommes de terre avec du poisson, de pâcheron et les brocolis. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Comment est-ce qu'on appelle ce truc? C'est brocoli, non? Si bien brocoli, c'est le mot en anglais. On peut dire qu'on appelle ça brocoli, donc je ne sais pas. Et depuis un certain temps, je ne mangeais pas ça avant les amis. Mais depuis un certain temps, en fait, depuis le premier jour que j'ai goûté ça, je suis calée en fait. Comment est-ce que j'ai goûté ça? Je vous raconte. Le manager de mon outlet où je travaille, lui, c'est sa nourriture tous les jours. Il mange ça tous les jours. Donc, ce qui fait que parfois, je suis tentée de goûter en fait. Le premier jour où j'ai goûté ça, c'était comme ça. Donc, quand on a vu son repas et tout, j'ai un peu dit que je vais un peu goûter. Quand j'ai goûté, j'ai dit waouh, c'est très bon. Franchement, j'aime ça. Pour moi, c'est un peu comme la viande même en fait. Dans la bouche, moi, j'ai l'impression que c'est comme la viande et tout. Donc, j'aime trop ça en fait. Pour vous dire, même hier, la journée d'hier, en fait, c'était la seule chose que j'ai mangé. J'ai sauté ça. Bon, pas sauté, j'ai juste steam ça avec un peu d'assaisonnement et tout. Et j'ai mangé ça comme ça. C'était tout ce que j'ai mangé, en fait. Bon, bref, c'est vrai que je mange aussi ça comme ça. Ou alors, par rapport à hier, c'est vrai que je suis en train d'essayer un peu de maintenir le poids. Je ne peux pas prendre le poids et tout. I don't want to put on weight, ok? Je veux prendre du poids parce que bon, je veux bien me sentir bien dans ma peau. C'est déjà d'abord pour ça, je veux me sentir bien dans ma peau. Je ne veux pas avoir l'impression d'être heavy, ok? Vous voyez, donc il est très très important de bien se sentir dans sa peau, ok les amis? Il est important de se sentir bien dans sa peau, très très important, ok? Donc toi femme, toi jeune fille qui me là, fais l'effort, ok? Fais l'effort de, je veux dire quoi? D'être ce que tu veux, ok? Je veux dire de manière physique, si tu veux faire le sport, si tu veux perdre du poids, si tu veux, je sais pas trop, fais l'effort d'être ce que tu veux. Là, ça ne sert à rien de toujours rester dit je vais. Fais l'effort au quotidien, chaque jour, parce que toi que tu fais quelque chose qui te pousse, qui te propulse vers le but de ce que tu veux atteindre. C'est très très important, ok les amis? Alors bref, comme je l'ai donc dit, je suis en train de faire ma cuisine. Je venais de me réveiller. Bon, pas que je venais de me réveiller, mais sinon je me suis réveillée à cela que. Et je me suis dit que je commence d'abord avec la cuisine. Après la cuisine, maintenant je vais aller prendre mon pain, m'arranger et tout. Parce que j'ai aussi des vidéos que je dois filmer aujourd'hui, ok? Et entre temps, je suis en train de programmer. J'ai envie de visiter le zoo du Paris. Je suis jamais allée au zoo depuis que je suis sur Paris. Je n'ai jamais mis mes pieds au zoo. J'ai envie de visiter le zoo. J'ai également envie d'aller visiter la grande mosquée du Bahreïn. Okay? La grande mosquée du Bahreïn. Je vais également visiter. Si je ne peux pas bien le faire, je vais vous laisser des vidéos. Et si c'est le cas, alors vous allez regarder. Ok, la famille. Alors, la famille, donc, je vais me réveiller. Bonsoir. Je vais continuer à faire ma cuisine. Et je fais ça aussi avec le riz, donc je vais continuer à faire ma cuisine et tout le temps jusqu'après, je vais aller m'arranger et je vous prends jusqu'après. Guys, salut les amis. Alors là, c'est carrément un autre jour. Je voulais venir ici commencer à dire que bon voilà, j'ai fini de faire la vidéo. Non. C'est le lendemain en fait du truc que vous venez voir. Hier là, quand j'ai fini de faire cette introduction là, je sais pas, juste comme ça, j'ai perdu mon mood. J'ai switch en mode motivation pour mode. En fait, j'étais juste là comme ça. J'étais pas motivée à faire quoi que ce soit. Même aujourd'hui, toute la journée, j'étais vraiment pas motivée à faire quoi que ce soit. C'est à partir de ce soir que ma motivation est revenue. Et puis,
Moses dit, voilà Amandine, you're gonna get up and do something with your life. Tu dois te lever et faire quelque chose. Alors en fait, je suis contente parce que, comme on dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors je suis contente, pourquoi? Parce que j'ai quand même, j'ai fait une vidéo, j'ai quand même filmé une vidéo, la vidéo où je parlais, où je vous disais que le ramadan est terminé. Si tu n'as pas regardé cette vidéo, je te laisse le lien juste là ou là. Tu peux cliquer et tu vas voir cette vidéo, ok? Et si tu vois cette vidéo maintenant, il est encore toujours temps pour toi, tu peux toujours lancer ta procédure de visa et te retrouver ici au Bahreïn, pourquoi pas, ok? There is still time, ok? Et encore le temps. Alors voilà, j'ai donc fini ça. Are you sure this team, are they going to hear me? Are they going to hear me? Maybe too much noise, I don't know. Anyways, alors les amis, j'ai donc fini de faire cette vidéo comme je disais là. Et voilà, maintenant, j'ai appelé le chauffeur et je suis en train d'aller à la banque parce que je veux mettre de l'argent dans mon compte afin de pouvoir faire des transactions en ligne, vous voyez. Bon, quelle est la transaction que je veux faire? En fait, il y a une soeur camerounaise que je dois accueillir ici d'ici quelques jours. Elle arrive à la fin de ce mois. Donc, je dois faire sa réservation d'hôtel. Donc, je vais aller mettre l'argent dans mon compte. Et au plus tard, je crois demain, je vais contacter l'hôtel. S'ils sont toujours ouverts, alors je vais les envoyer l'argent en ligne. Et ils vont faire la réservation et m'envoyer cela. Et je vais l'envoyer ça toujours aujourd'hui. Parce que là, il est maintenant 19h. Il est 19h21. Donc, je vais le faire. S'ils sont là, en fait, s'ils sont toujours là et que je parviens à leur envoyer l'argent, ils font la réservation aujourd'hui. Je vais envoyer ça à la soeur aujourd'hui. Ok, parce que ce n'est pas le cas, au plus tard, demain. Et il y a un frère camerounais que j'ai reçu ici. Donc, son visa a expiré. C'est-à-dire qu'il faut qu'il renouvelle son visa visiteur. Alors, il y a également son argent que je dois envoyer à mon partenaire de l'immigration pour qu'il puisse étendre son visa visiteur. Ok les amis, alors bon voilà. Je viens d'avoir une idée où, parce qu'il y a un coin ici qu'on appelle Dasma Senta. Je suis en train de penser. J'ai envie de m'arrêter là-bas pour vous faire une vidéo sur en fait, la population africaine. Parce que franchement, le nombre d'Africains qu'il y a ici au Bahreïn ou alors qui entrent ici au Bahreïn maintenant, c'est just like wow. C'est juste amazing, les amis. C'est juste amazing. Parce que quand tu sors en soirée comme ça, franchement, tu vas voir les Africains, ils sont versés. Comment dire versés? Wow. Vraiment, ils sont versés. Wow. C'est où tu te rends compte que le Bahreïn est en train de se remplir avec les Africains. Mais alors, de ouf. D'ici quelques temps, mais. D'ici quelques mois, voire même peut-être d'ici un an comme ça, Bahreïn là, ça sera seulement rempli. En fait, les Africains seront ici comme je ne sais pas quoi. Un coin qui n'était pas connu. Quand moi je venais d'arriver ici, tu disais à quelqu'un, je suis au Bahreïn. La personne était déjà, ouais, c'est Bahreïn. Bahreïn c'est où? Bahreïn c'est où? Tu as dit que c'est où là? Il ne connaissait pas. Mais aujourd'hui là, c'est en train d'être connu en fait. Et c'est en train d'être peuplé, surtout par la population africaine. Ce n'est qu'une bonne chose en fait, ce n'est qu'une bonne chose. Vu que chacun arrive et que chacun trouve son compte, c'est pas mauvais en fait. Alors là, je vais aller faire ce que j'ai à faire. Si je parviens à faire la vidéo là, vous allez voir, c'est demain, sera déjà sorti. Si je ne parviens pas à la faire, ok, il n'y a pas de problème, je vous prends dans un autre clip, ok? Je vous prends dans un autre clip. Peace out, guys! Guys. Je suis à la cuisine. Là, je suis à la cuisine à Paris. Je vais ce que j'ai envie de faire. Là, c'est la viande que j'ai mis. Là, c'est mon poireau découpé, congelé. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah.